Jean chapitre 3. Nous lisons à partir du verset premier. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne saurait faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, je voudrais dire aux frères et sœurs, pendant l'enseignement, pendant la prédication, l'enseignement, le partage, il faut vraiment éviter de parler à vos voisins derrière. Hein, donc, parce que ne vous laissez pas distraire, en gros. Voilà. On est là, chacun doit ouvrir grandement ses oreilles à la parole pour ne pas se faire distraire. Parce que nous sommes en guerre. Et l'ennemi aussi envoie ses émissaires pour distraire les enfants de Dieu. Voilà. Donc, on continue la lecture. Donc le Seigneur lui dit, bien sûr, s'il n'est pas né de nouveau, hein, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne le croyez point, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Pour faire partie d'une assemblée locale, mes amis, il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, d'être né de nouveau. Hein, de naître de nouveau. On peut rentrer dans un bâtiment d'église et sortir autant de fois que l'on veut. Voyez, pour faire partie d'une organisation ecclésiastique, une fédération, une pastorale, il n'y a pas besoin, mes amis, d'ailleurs on le voit, la plupart des gens qui font partie de ces dénominations ne sont même pas nés de nouveau. Voyez, donc il y a vraiment une différence entre être membre d'une église locale et membre du royaume de Dieu. D'accord? Et ce matin, pendant que j'étais endormi, le Seigneur me parlait de ce passage. Il était en train de m'enseigner. Il me disait, voilà ce que tu vas enseigner aujourd'hui. Tu vas partager ces choses avec mon peuple. Il a commencé à m'enseigner sur, justement, la nouvelle naissance et également le royaume de Dieu. Alors j'étais surpris, parce que ça m'arrive de temps à autre comme ça, que le Seigneur vienne me voir et me parle comme ça. Et Nicodème était un homme considéré, très considéré par les Juifs. Il faisait partie de la, n'est-ce pas, la classe dirigeante. Et il connaissait la Torah. Il avait une grande connaissance de la Torah. La parole le dit, même dans Jean chapitre 6, on voit Nicodème avec les autres docteurs de la loi. Et il siégeait certainement dans le Sanhédrin, il était très respecté. Mais Nicodème, bien qu'il connaissait Moïse, bien qu'il connaissait la Torah, Nicodème n'était pas membre du royaume de Dieu. Nicodème ne connaissait pas le royaume, pourtant il avait enseigné sur le royaume, parce que les pharisiens à l'époque parlaient beaucoup du royaume de Dieu. Parce qu'ils attendaient ce royaume. Et rappelez-vous bien qu'à cette époque, Israël était sous la domination romaine, donc leur délivrance à eux, donc aux Juifs, était l'éminence hein, de l'instauration de ce royaume davidique. Et ils attendaient ce royaume. Et ils savaient que, merci pour les chewing-gums,
Il savait que le royaume, n'est-ce pas, messianique, était le plus grand royaume. Et surtout qu'il connaissait également, mes amis, les visions de Daniel. Vous savez, dans Daniel chapitre 2, Daniel a interprété la vision du roi Nebuchadnezzar. Cette grande statue qui nous parlait, bien sûr, des quatre grands royaumes que le monde est connu. Donc Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, n'est-ce pas, avec Alexandre le Grand, et également la Rome impériale avec les Césars. Et Daniel 7 nous parle également de ces quatre animaux, n'est-ce pas, le lion, l'ours, léopard, et un quatrième animal que Daniel n'a pas pu identifier. Et ces quatre animaux nous parlent également, n'est-ce pas, nous parlent également des quatre royaumes qui ont existé. Et prophétiquement, cette statue et ces quatre animaux, bien sûr, nous annoncent, n'est-ce pas, le royaume terrestre, un royaume globalisé, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial. Et on y est. Mais à cette époque, à l'époque où le Seigneur parlait avec Nicodème, donc au premier siècle, c'était le quatrième animal qui, n'est-ce pas, régnait, Rome. Et les Juifs attendaient justement leur délivrance par l'établissement du royaume ou du cinquième royaume. Vous savez, la pierre qui s'est détachée, hein, sans le secours d'aucune main, dans Daniel chapitre 2, et qui va frapper la statue au niveau des pieds. Et c'est le royaume messianique, justement. Et c'est un royaume très, très puissant, qui est au-dessus de tous les royaumes. Et voilà que Nicodème, mes amis, dans les synagogues, enseignait le peuple sur ce royaume. Mais il n'en était pas membre. Il enseignait sur le royaume de Dieu, mais il n'était pas, n'est-ce pas, membre de ce royaume. Parce qu'il lui manquait, mes amis, la clé pour y entrer. Vous savez, si vous voulez aller aux États-Unis, et il faut bien sûr un passeport. Vous ne pouvez pas arriver comme ça à la frontière américaine et qu'on vous laisse entrer. Ce n'est pas possible. Il faut un document officiel délivré par, n'est-ce pas, l'autorité compétente de votre pays d'origine. Le passeport, pour d'autres pays, c'est la carte d'identité. Et donc voilà que le royaume de Dieu, c'est pareil. Vous ne pouvez pas, mes amis, aller dans une assemblée locale et commencer à crier « Oui, je suis membre du royaume de Dieu !» Vous pouvez même vous faire baptiser et ne pas être membre du royaume de Dieu. Vous pouvez étudier même la Bible, aller dans les écoles bibliques, avoir une connaissance, hein, particulière de la parole de Dieu et ne pas être membre du royaume de Dieu. C'est pour cela que quand le Seigneur, le maître de ce royaume reviendra, beaucoup seront surpris. Ceux qui ont des chewing-gums, est-ce que vous pouvez le mettre de côté s'il vous plaît? Merci. À moins que vous ayez un problème avec la nausée, mais sinon, c'est pas vraiment... voilà, c'est... Vous savez, quand l'esprit nous remplit comme ça, on veut vraiment avoir de la révérence. On est dans sa présence. Vous ne pouvez pas mâcher les chewing-gums devant un président et nous voulons apprendre à honorer notre Dieu. D'accord? Amen? Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas moi qu'il faut acclamer, bien sûr, sur le Seigneur. Et donc, le royaume de Dieu. Nicodème connaissait la parole. Nicodème enseignait le royaume dans les synagogues. Mais pourtant, il était loin de ce royaume. Loin! Loin! Et voilà qu'il va suivre de près le ministère de Jésus. Il va le suivre de près. Et il était dans son cœur interpellé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme il avait honte, il va, n'est-ce pas, aller voir le Seigneur pendant la nuit pour ne pas être vu des autres. Et il arrive et il dit, maître. Donc il reconnaît que Yeshua était, n'est-ce pas, un grand maître. Et il lui pose la question, il lui dit, mais il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Voyez? Car les miracles que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Il était, Nicodème ainsi que ses camarades, ils étaient obligés de reconnaître que Yeshua, homme, marchait avec Dieu. Que le miracle qu'il opérait était le signe, hein, les signes de sa messianité, les signes de son appartenance céleste, de son origine céleste. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Il n'a pas été, mes amis, séduit par ses belles paroles. Il va aller droit au but. C'est ça Dieu. Et il lui dit, je te dis que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Waouh!
naître d'en haut. Alors Nicodème était troublé. Il pose la question au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est, cette naissance? Et le Seigneur lui dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, il donne le détail, tu ne pourras pas être membre du royaume de Dieu. Rappelez-vous bien que les Juifs à l'époque attendaient impatiemment, n'est-ce pas, l'établissement, la restauration du royaume davidique. Ils l'attendaient, les apôtres, vous savez, dans Actes chapitre 1er, après la résurrection de Yeshua, ils vont lui poser la question à savoir, quand est-ce qu'il allait rétablir le royaume d'Israël? Donc ils étaient préoccupés par le rétablissement de leur de la théocratie en Israël. Alors, le Seigneur lui dira, il faut, c'est une obligation, ne dormez pas. Alléluia. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux? Hein? C'est possible de s'occuper de l'enfant. Merci. Comment un homme peut-il faire cela? Parce qu'il était vieux lui-même. Comment faire? Nicodème était membre d'une synagogue. Il y a tellement de chrétiens qui sont fiers d'être membres de leur église locale. Ils sont fiers d'appartenir à un ministère connu. Mais combien sont-ils membres du royaume de Dieu? Combien? Combien ont-ils fait cette rencontre avec le roi de ce royaume? Vous savez, nous avons été, dès la naissance, habitués à... on a été formatés à être dans des compartiments. On a été habitués comme ça. Vous savez, moi je suis blanc, français, je suis pentecôtiste, je suis presbytérien. On a été habitués comme ça. Mais combien parmi ces hommes ont-ils fait une rencontre avec le royaume de Dieu, le roi de ce royaume? Combien? Nicodème était en train de recevoir un enseignement de base qu'on pouvait donner à un nouveau converti. Mais il ne le comprenait pas. Il ne le comprenait pas. La naissance nouvelle. Naître d'en haut. Et Yeshua lui dira, alléluia. Voilà, je crois que les enfants ont chaud. Est-ce qu'on peut s'en occuper un peu? Voilà, si c'est possible, voilà. Je remarque que cet enseignement soit saisi de la part des frères et sœurs. On va leur donner à boire. Donner à boire, si c'est possible, quelque part. Voilà, naître d'en haut. Naître d'en haut. Les fenêtres sont ouvertes, c'est bon? Yeshua lui dit, ce qui est né de la chair, suivez l'enseignement s'il vous plaît. Suivez l'enseignement. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ça veut dire quoi? Les membres du royaume de Dieu sont des esprits avant tout. D'accord? Avant d'être des hommes et des femmes de chair, ils sont d'abord des esprits. Et le mot esprit ici signifie littéralement vent. Ça veut dire qu'un vrai membre du royaume de Dieu, un vrai chrétien, ne peut être enfermé dans un fonctionnement. Donc si vous êtes habitué à un fonctionnement, dites-vous que vous devenez religieux ou vous n'avez jamais rencontré Dieu. Il vous a frôlé peut-être. Vous méditez peut-être la parole, vous la connaissez peut-être de manière intellectuelle. Mais celui qui est né d'en haut devient insaisissable. D'accord? Et les gens de ce monde appellent cela, n'est-ce pas, l'instabilité. Le manque d'organisation. Alléluia. Quand je vois des baptistes qui sont obligés d'aller dans les églises baptistes, qui n'ont pas le droit d'aller visiter les pentecôtistes, ou quand j'entends des églises appelées Assemblées de Dieu dire à leurs membres que les Assemblées de Dieu sont la seule véritable église, et qui n'ont pas le droit d'aller voir ailleurs, je me dis, voilà les prisons que Satan a mises en place pour enfermer les soi-disant chrétiens. Parce que quand on est enfant de Dieu, quand on est né d'en haut, on devient du vent. On va la réveiller, merci ma soeur. Prenez un exemple, faites un exercice.
sortez dehors et avec votre main, essayez d'attraper le vent et de l'enfermer dans une boîte. Ou encore, plus simple, vous soufflez dans un ballon, hein, et vous le laissez pendant un an. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, l'air va sortir, s'échapper. Donc, vous ne pouvez pas contrôler le vent. Alléluia. Eh bien, quand une église locale commence à contrôler ses membres, quand un pasteur commence à contrôler ses membres, les membres du Seigneur, ce pasteur-là devient religieux et ces chrétiens qui se laissent contrôler deviennent des religieux et ils perdent la partie spirituelle. Voyez ? Et le Seigneur dit, celui qui est né de nouveau est comme du vent, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Oh Dieu, sauve-nous. Où sont les membres du royaume de Dieu aujourd'hui? Vous savez pourquoi on n'arrive pas à gagner beaucoup de musulmans, beaucoup de gens? Parce qu'on leur a présenté la religion. On leur a présenté les habitudes, la routine. Tous les dimanches, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, amen. On sait comment ça commence et comment ça finit. Voyez? Tout le temps. Vous voyez, c'est les habitudes ont la peau dure. Donc du coup, ben, sortir de là, ça devient difficile parce que ces habitudes deviennent pour nous des béquilles. Est-ce qu'on est réellement né de nouveau? J'entends des chrétiens qui disent, non mais attends, mais c'est du spectacle quand même là-bas, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est délivrance, tout ça, machin. Écoutez, si Jésus ne voulait pas que les gens soient au courant quand il y a des délivrances, on n'allait pas en parler dans les Écritures. On n'allait pas en parler. Si vous êtes dans une église locale où le pasteur veut que tout soit, n'est-ce pas, parfait au point où, même pour taper les mains, il faut la sagesse pour ne pas déranger le voisin. Il n'y a pas la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Donc ils sont charnels. Même pour dire alléluia, il faut le dire doucement. Dès qu'il y a une prophétie, on prend la personne, on la sort dehors. Qui a connu cela? Oh, vous savez, le président est ici, il ne faut pas le déranger. Vous savez, il y a l'homme d'affaires qui est là, il faut faire attention. Les hommes en costume sont arrivés, il faut quand même que... C'est une église quand même d'élite, hein, l'élite de la société est là, donc il faut... Frère, il n'y a plus l'esprit. Attends, vous vous rendez compte, ce qui est né de l'esprit est esprit, où sont les esprits là? Ça veut dire qu'un vrai chrétien est un esprit habitant un corps physique. Donc si tu es esprit, forcément, tu obéis à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes. C'est écrit dans quel livre? Romains chapitre 8, verset. Alléluia. Ça veut dire quoi? La vraie nouvelle naissance, ce n'est pas quand un pasteur te donne une carte de membre. Oh, vous voyez, j'ai ma carte de membre. Qui a sa carte de membre ici? Qui c'est qu'il a? S'il vous plaît. Tu l'as avec toi, ma soeur? Tu peux me la montrer? On va s'organiser dans ce sens, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Dieu est bon. Naître d'en haut. Naître d'en haut. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Hein? Que nous sommes enfants de Dieu. Donnez-moi votre carte. Ah, tu es en train de la chercher. Qui a sa carte? Avec lui.
Ok, c'est pas grave. Donc, si tu la retrouves entre-temps. Voilà. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit. Donc, ce n'est même pas un homme, un pasteur, un prédicateur qui doit te dire que tu es sauvé. Regardez comment on nous a fait croire hier. Hier, on nous a fait croire que celui qui va répéter cette prière d'acceptation de Yeshua est sauvé. Seigneur Jésus, je te reçois. Comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon Sauveur. Ah ben, t'es sauvé. C'est faux! Alléluia! C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi et qui te fait naître de nouveau. Et il témoigne à ton cœur que tu es sauvé. Si tu n'as pas le témoignage de Yeshua, de l'Esprit, il faut crier dans ton cœur pour qu'il te sauve. Et je dis bien, le Seigneur a dit dans Jean 1, 12, la parole s'est faite chair. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné quoi ? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont comment ? Sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un homme qui va décider que tu es sauvé. D'accord ? Jamais. Tu peux passer devant, crier, Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie, tout ça. Si t'es pas dans ton, si Dieu ne t'a pas touché, si Dieu n'a pas décidé de te façonner, de t'engendrer, tu ne seras pas né de nouveau. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ont confessé cela, mais qui, une fois sortis de l'assemblée, ils se vautrent de nouveau dans le bourbier. Et ils ne comprennent pas. Mais je suis chrétien, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Non, mais il n'y a pas eu la nouvelle naissance là. Écoutez bien, frère. Quand on est né de nouveau, on ne pêche pas. On ne pratique pas le péché. Donc si toi, tu as tendance à tomber dans le péché, à demander pardon à chaque fois, je vais te dire, selon la Bible, ce n'est pas moi. Tu n'es pas converti. Tu connais la Bible comme Satan, c'est vrai. Comme les démons, ils connaissent la parole. Mais tu n'es pas sauvé. Et tu peux même devenir pasteur comme ça et commencer une église. Alors tu n'es même pas sauvé. Écoutez, qui croit que Dieu est esprit? Ok. Alors pour le comprendre, il faut être également esprit. Donc celui qui ne comprend pas les choses de Dieu, laissez-moi vous dire, il n'est pas converti. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 14. Or, l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie. Et il ne peut les comprendre, les entendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ici, on nous parle de l'homme animal, l'homme adamique, l'homme irrégénéré, celui qui n'est pas encore né de nouveau, comme Nicodème. Il connaissait la parole de Dieu. Il prêchait l'évangile, enfin la parole. Mais il n'était pas spirituel. Il n'était pas esprit. Vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas le réveil? Pourquoi il y a des problèmes dans nos assemblées? C'est parce que beaucoup de pasteurs sont charnels. Alléluia! Ils sont tellement charnels que quand on parle de la dîme comme étant une pratique de la loi, il nous faut la guerre. Alors c'est une fausse doctrine. C'est la guerre. Je dis voilà comment ils aiment l'argent. Les chrétiens sont tellement charnels, beaucoup, que quand ils rentrent dans les bâtiments de leurs églises, et c'est là qu'ils prennent la position de la prière. Voilà les religieux. Ils oublient que Dieu est en eux. Vous allez les voir prendre, aller dans un coin, se mettre à genoux, commencer à prier, alors qu'à la maison, ils ne prient pas, dehors, ils ne prient pas. Religieux. Et ils écrivent sur les bâtiments de murs, hein, sur les murs.
Hein? Bienvenue hein, à la maison de Dieu. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Maintenant, mais depuis, t'as pas compris, depuis 2000 ans, c'est toi la maison là maintenant là? Alléluia! On dit frère, tu sais, je suis en train de chercher la face de Dieu. Ah bon? Sous la loi, on peut comprendre parce qu'ils allaient chercher la face du Seigneur à Jérusalem dans le temple. Mais depuis ta conversion, tu es scellé du Saint-Esprit. Bon, tu vas chercher quelle face? Tu l'as perdu depuis quand? L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Regardez. Vous allez rencontrer un Français qui a Bac plus 10. Vous allez lui parler de Jésus. Vous allez lui dire, mais écoute, écoute messieurs, tu as une Bible? Oui, je l'ai. Est-ce que tu sais lire? Ben oui, j'ai Bac plus 20. Ok, ben tu peux la lire, tu vas comprendre. Jamais, c'est faux. L'eunuque éthiopien, dans Acte 8, il était dans son char. Il lisait le prophète Esaïe. Il était, mes amis, un grand ministre, responsable de la reine d'Éthiopie. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Parce qu'il était charnel. Comment voulez-vous que les charnels touchent les musulmans? Comment voulez-vous que les charnels touchent les hindous? C'est pour cela qu'on ne voit pas des musulmans, des hindous, des indiens dans nos assemblées. Si le pasteur est blanc, il n'y a que les français. Si les africains, il n'y a que les africains. Si les arabes, il n'y a que les arabes. Mais où sont les nations? Le problème, c'est que quelque part, il y a la chair. Parce que si tu es esprit, ton esprit, l'esprit de Dieu au travers de ton esprit va toucher tous les autres esprits là qui cherchent Dieu. Or, quand vous voyez un hindou qui cherche Dieu, réellement, qui est chrétien, eh bien, son esprit n'est pas hindou. Il est divin, il est du ciel. C'est pour cela que Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un en Christ. Parce que Dieu ne voit pas les couleurs, les races, comme nous. En fait, il ne considère pas les races. Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez? Et vous ne pouvez, celui qui a Bac plus 20, même s'il médite la Bible matin, midi, soir, il ne va rien comprendre. Ça va être comme du charabia pour lui. Comment faire comprendre les choses spirituelles au charnel? C'est impossible. Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une folie. Les Grecs étaient des grands sages. La prédication de la croix était une folie pour eux. Comment Dieu, vous dites que votre Dieu est trop fort. Comment est-ce qu'il peut devenir homme? Dieu devenir homme, c'était la folie. L'incarnation. Il y a beaucoup de raisonnements. Il y a des gens que Dieu a appelés pourtant. Mais ils n'arrivent pas à voir le réveil. Pourquoi? Parce qu'ils sont ils sont encore charnels. Ils sont trop dans les raisonnements. Ils écoutent trop les gens qui les entourent et ils ne sont pas spirituels pour écouter plus Dieu. Si tu es né de nouveau, tu vas être esprit. Si tu es esprit, si le diable vient t'attaquer, tu le sauras. Alléluia! Non, tu le sauras. Parce que étant esprit, tu vas recevoir le discernement. Si tu vas dans une assemblée et que le pasteur n'est pas de Dieu, tu vas le sentir. Tu n'auras pas besoin d'appeler un prophète pour qu'il prie pour toi pour savoir. Non! Ton esprit te le dira. Non, je sens dans mon cœur qu'il est faux, ce monsieur-là. Ah non. Naître de nouveau. Frère, la nouvelle naissance. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont membres d'une église locale, qu'ils sont sauvés. Qu'ils voient le ciel. Non! Il faut naître de nouveau. Il faut devenir esprit. L'homme animal ne comprend rien. Voilà pourquoi quand tu vas parler de Christ à ton patron, il ne comprend rien. À ton employeur, mais rien. À ton professeur de maths. Pourtant, il est rempli de calculs, hein? Hein? D'équations. Mais là, le fait de lui dire que Dieu l'aime, il va dire non, mais non, Dieu n'existait pas. Je comprends pas. Mais vous vous dites, mais pourtant c'est écrit, c'est simple là. Regardez, vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi il y a autant de doctrines alors que nous avons tous la même Bible? Hein? Pourtant quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas les baptistes hein, dedans. Mais vous vous dites, mais pourquoi il y a autant de baptistes? On ne voit pas les pentecôtistes, mais vous vous dites, mais pourquoi il y a des pentecôtistes? Paul était quoi? Pentecôtiste? Baptiste? Méthodiste? Catholique?
Kimbaris? Harris? Alléluia! Adventiste? Non! C'est là qu'on comprend que, eh bien, il y a tellement de chairs, de charnels qui ont approché la Bible. On fait une approche, on a une mauvaise approche de la Bible, une approche charnelle. Voilà un Congolais qui va approcher la Bible de manière charnelle et il va congoloniser Dieu. Alléluia! Un Angolais arrive, il va angolaniser Dieu. Et un Français arrive, il va franciser Dieu. Voilà pourquoi nous avons un Dieu français, un Dieu congolais, un Dieu ivoirien, un Dieu marocain, un Dieu algérien. Mais on se dit, mais où est le vrai Dieu dans ce cas-là? Hein? Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On dit, mais il est où? Eh bien, c'est parce que les gens ont fait des adhésions, une adhésion intellectuelle. Et chacun, avec son raisonnement, veut amener Dieu à son niveau, à sa hauteur. Il va créer sa dénomination, il va dire aux gens, ne partez pas, je suis votre bishop, c'est ici, c'est nous. Nous avons la meilleure église. Et voilà comment les gens vont se glorifier de leur Dieu local. Et combien sont-ils dans le royaume de Dieu? Très peu. Donc du coup, parce qu'on est tellement devenu charnel, que tous les dimanches, on se sanctifie. La veille, quand on apprend, surtout si le dimanche, on va prendre la Sainte Cène, alors c'est la veille que les gens vont commencer à se sanctifier. Une douche du sang de Jésus, un peu de feu pour brûler toutes les saletés. Et puis le dimanche matin, ils sont propres. Vous voyez? Et ils vont à l'assemblée, ils prennent la Sainte-Cène parce qu'ils sont sanctifiés. Et quand ils sortent de là, vous savez, ils repartent, ils remettent leur costume d'avant. Voilà les religieux. Ils ne sont pas nés de nouveau. D'autres religieux, ils ont tellement pas la crainte de Dieu que quand ils craignent plus leur pasteur. Quand tu vois le pasteur, s'ils fument, ils arrêtent de fumer. Et quand le pasteur s'en va, ils reprennent leur cigarette. Voilà. Je suis sûr ici qu'il y a des filles qui sont venues sans leurs petits copains. Elles viennent comme ça, là, tout le monde pense qu'elles sont sanctifiées. Elles sont saintes, ou les jeunes, les hommes. Hein. Mais quand ils sortent d'ici, là, regardez comment ils vont vivre. Il y en a même qui se disputent. Quand ils sortent seulement d'ici, là, ils se mettent à se disputer. Même dans la salle, les charnels. Mais pourtant, tout le monde vient pour Dieu. Tout le monde cherche à Dieu, soi-disant. Combien sont-ils nés de nouveau? Alléluia! Combien? Frère, laissez-moi vous dire. Quand on est né, si on est né de nouveau, on devient esprit et on se soumet à cette parole de Yeshua. Yeshua a dit quoi? Mes paroles sont esprit et... Ça veut dire quoi? On est né de nouveau, on devient esprit et la parole de Dieu qui est esprit prend place dans ton esprit humain. Ça veut dire que tu ne dois plus résister à ce que Dieu te dit. Si Dieu dit, il n'y a pas de divorce. Tu ne dois pas te divorcer. Alors quand j'ai des chrétiens qui me disent, moi je veux divorcer, je me dis, ils n'ont rien compris. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est là, moi, je crie. Voilà. Parce que ce jour-là, quand on sera devant le Seigneur, il va ouvrir sa parole. Alors, Jeannette, oui Seigneur. Ah Seigneur, je suis né de nouveau, n'est-ce pas, il y a 20 ans. Tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Parce que là, on va beaucoup parler, ça va devant le juge. Hein. On peut se justifier. Seigneur, j'ai beaucoup prié, chaque matin, je priais, je jeûnais. Hein, à 5h du matin, j'étais là, à genoux devant toi. Le Seigneur va ouvrir sa parole. Ok. Qu'est-ce que ma parole dit? Qu'est-ce que tu écrit là? Ben, Seigneur, oui, c'est écrit qu'il ne faut pas... Eh bien, il ne faut pas divorcer. Eh bien, qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, Seigneur, tu sais que ma femme était dure. Tu sais, Seigneur, là, c'est Jacques qui parle. Hein? Donc, ma femme était dure, elle était méchante, elle m'a beaucoup trompé. Oui, d'accord. Toi, tu ne m'as pas trompé. Donc, depuis ta conversion, tu ne m'as jamais trompé, toi. Et toutes les fois où tu es venu devant moi pour me demander pardon et que je t'ai pardonné,
Ne pouvais-tu pas pardonner à ton tour? Mais Seigneur, tu sais, j'ai beaucoup souffert. Ok, tu as beaucoup souffert. Donc, ça veut dire que tu as souffert plus que moi à la croix. Donc, c'est toi le sauveur de la terre parce que tu as beaucoup souffert. Pourtant, c'est toi qui m'as mis sur la croix. C'est toi mon meurtrier. Mais avant de rendre l'âme, j'ai levé les yeux et j'ai dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as jeûné pour ton mari? Est-ce que tu as pris même un mois de jeûne pour lui? Non. Alors, maintenant, dis-moi, quel est l'évangile que tu as reçu? Oui, mais Seigneur, tu sais, ça fait 30 ans que j'ai fréquenté les églises. Oui, tu as fréquenté les églises pendant 30 ans. Tu as chanté, tu as prêché les femmes, mais tu n'étais pas converti. Ça sera chaud. On vient avec des raisonnements. Ah, j'ai souffert. Ah, j'ai failli mourir. Mais pourtant, celui qui nous a pardonné, nous l'avons tué. Est-ce qu'on est sauvé? Est-ce qu'on est né de nouveau ou est-ce que nous sommes simplement des adhérents des mouvements? Des adhérents de bâtiments? Des adhérents d'églises de maisons? Le Seigneur a donné une parabole dans la Bible. Un homme, deux hommes devaient de l'argent. Un homme devait de l'argent à son employeur. Beaucoup d'argent, plus de 1000 pièces. Et son employeur voulait à tout prix être, n'est-ce pas, remboursé. Et cet employeur voulait être remboursé, mais son employé n'avait pas d'argent. Et il a supplié son patron. Il lui a dit que je te remets ta dette. Et cet homme à qui la dette avait été remise va voir un de ses amis qui lui devait de l'argent. Et il va lui mettre la pression. Son ami lui dit, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas. Et il prend cet ami, son ami, et il le met en prison. Et son patron l'apprend. Le patron de cet homme. Et il le convoque. Il lui dit, mais écoute, tu m'as supplié pour que ta dette soit remise. Je l'ai fait. Ne pouvais-tu pas faire la même chose qu'à ton prochain? Il a pris, il l'a mis en prison. Celui à qui on a beaucoup pardonné, pardonne aussi. Vous savez pourquoi beaucoup ont du mal à pardonner? C'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes le pardon de Dieu. Ils refoulent. Parce que celui qui se dit, si je peux me tenir aujourd'hui pour chanter, pour proclamer la parole, c'est parce que Dieu m'a pardonné. Maintenant, si celui qui t'a fait du mal te demande pardon sincèrement pour, n'est-ce pas, restituer, il faut pardonner. Surtout dans le cas du mariage. Je vais d'abord commencer par la famille, le mariage. Beaucoup vont en enfer à cause de soi. C'est pour ça que Dieu m'a dit, toi là, t'es seul là, maintenant, crie. Parce que nous, chrétiens, nous avons beaucoup de raisonnements. Réveille-moi la sœur qui dort, merci. Merci, ma sœur. Ah, ok. Il faut te réveiller. Il n'y a pas de guérison sans la parole. Voilà. Ah oui, Seigneur, tu sais, quand même, pendant des années, le Seigneur dit, ah bon? Je n'ai pas dit dans ma parole que aucun homme, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ce n'est pas écrit dans ma parole. Vous avez fait le contraire. Ça va être chaud. Surtout quand on est déjà chrétien, on a prêché la parole et qu'on ferme son cœur, on peut blasphémer contre Dieu et perdre le salut à cause de l'orgueil. Parce que ta chair te dit, j'ai beaucoup souffert, je n'en peux plus. Moi, toujours le moi, c'est comme Ève et Adam. Non, c'est pas moi, c'est pas Ève, c'est moi, c'est pas moi, Ève, c'est Adam. C'est toi, Dieu, c'est toi qui me l'as donné, c'est pas moi. Voyez l'homme. Adam, pourquoi tu fais cela? Dieu, c'est pas moi. C'est la femme que toi, tu m'as donné. T'ai-je demandé une femme? Moi, Adam? Et puis d'ailleurs, tu es Dieu. Tu savais toute chose à l'avance. Tu savais qu'elle allait manger le fruit. Mais pourquoi me l'as-tu donné? Il y aura des grincements dedans. Si Dieu m'a donné ce message-là, ce n'est pas dirigé contre qui que ce soit. Mais celui qui est humble, qui va aller au ciel, il va dire, frère, c'est la parole qui est esprit et vie. Seigneur, je me plie. On va amener toutes sortes d'arguments pour justifier sa décision. Dieu dit, tout ça là, c'est charnel. Qu'est-ce que ma parole dit? Mes paroles qui sont esprit et vie. Qu'est-ce que la Bible dit?
On veut du Seigneur, soi-disant, mais on refuse sa parole. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Mais on ne veut pas de la guérison qui vient de la parole parce que ça coûte cher, ça coûte cher. Voilà. Pourtant, on vient devant le Seigneur. Seigneur, me voici, je veux chanter, je te connais. Tu connais qui, mon ami? Dieu? Il faut arrêter. Il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même. Non, il faut qu'on arrête. Il y a beaucoup. En France, je soumets les informations aujourd'hui, chaque année, il y a plus de 120 000 divorces. Et parmi ces divorcés, il y a des chrétiens. Un jour, une sœur chrétienne française, on était à travailler chez des pasteurs, elle est venue à peine de se marier. Chrétienne engagée hein, dans son assemblée. Et quelques mois après, je lui demande alors, ton mari est où? Oh non, on a divorcé. Ah bon? Mais pourquoi? Oh mais incompatibilité d'humeur, de caractère, tout ça. Ah bon, vous vous moquez du Seigneur là, les amis là. Ah ben tiens, ma femme ne me plaît plus parce qu'elle est grosse, parce que eh ben, je vais prendre quelqu'un d'autre. Eh ben tiens, maigris comme un tel, tout ça, là, voilà la convoitise. Ah mon mari est trop gros, il faut que tu maigrisses comme l'autre frère. Tu es dans la convoitise, tu dois te repentir. Tu ne te rends même pas compte que tu convoites. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est de la chair est chair. Il y a la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Galate nous dit. Voilà. Des chrétiennes qui veulent des maris comme Tom Cruise, comme, n'est-ce pas, ces acteurs mondains. Voilà, donc du coup, ben, comme on regarde la télévision, eh ben, on a la convoitise, et le cœur commence à désirer ce type d'homme. Voyez? On veut un amour selon Hollywood. Voyez? C'est grave, hein? Ah ben tiens, on a connu ce couple marié depuis des années, ils ont eu des enfants et puis il y a eu des problèmes, et ben ils divorcent et puis dans la même assemblée, et ben l'homme va prendre une autre femme et tout le monde acclame cela. Il y a même des pasteurs divorcés comme ça. Voilà notre génération là, une génération d'impies, une génération qui a rejeté la parole de Dieu et une génération malade. Il n'y a jamais eu autant de malades mentaux qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de gens touchés par des maladies incurables que dans notre génération. Vous vous rendez compte? Des cas de cancer, il y en a plus aujourd'hui qu'avant. Vous savez pourquoi? L'atmosphère est polluée. Vous savez pourquoi? La nourriture est polluée, l'eau est polluée. Ça nous tue à petit feu. Et vous rigolez? C'est le jour où vous allez moins rigoler. Et c'est bientôt. C'est pour bientôt. Oh Seigneur, je t'aime. Dieu dit, vous ne m'aimez pas. Arrêtez de chanter cela. Celui qui m'aime doit garder mes commandements, nous dit la parole. Et le problème, c'est que comme beaucoup sont convertis depuis des années, la parole ne rentre plus. Ça rentre plus. Il y a tellement de raisonnements. Tu sors la parole, il te sort un verset là-bas, un autre verset là-bas. C'est la guerre de versets. Dieu dit, il faut les laisser. Ils sont endurcis. Rigolez. Ce jour-là, vous allez rigoler devant Dieu. Parce que ça nous concerne tous ici là. Vous rigolez comme si ça concerne les autres, ton voisin, alors que c'est chacun de nous ici. L'heure est grave, hein, frère. Hein. Les gens vont en enfer. Hein. Chaque seconde, en enfer. On est comme beaucoup sont comme Nicodème. Ils ont la parole, ils connaissent la parole. Les versets, ils les ont. Ça, c'est pas un problème. Jacques chapitre 1, on connaît. Matthieu 5, on connaît. Les visions, ils en ont. Mais l'obéissance à la parole, parce que ce sont les esprits qui obéissent à la parole, parce qu'elle est esprit. La chair ne peut pas obéir à la parole de Dieu, nous dit la parole. C'est pour cela qu'il faut la crucifier. Amen. Amen. Le frère qui dort, merci. Il faut la crucifier, la chair. Et aujourd'hui, la parole la concerne chacun. Il faut ouvrir grandement les oreilles. On se moque de Dieu. Je vous dis, hein, bibliquement parlant, il est dit que la chair ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Elle doit être crucifiée. Brisée. C'est pour cela, pour qu'elle soit détruite, la chair, Dieu a utilisé la croix. Le vieil homme doit être crucifié. Avec ses motivations, avec
Mes amis, ils sont passés. Le moi, moi, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'en peux plus. Le moi, toujours. Et Dieu dit, il faut maintenant tuer ce moi-là. Parce qu'il s'oppose à la parole. Il y en a qui viendront comme Nicodème, mais ce sera trop tard. Tu es un docteur de la parole en Israël et tu ne connais pas ces choses? Ah. Nicodème est passé des années dans les synagogues, des années et des années à étudier le Tanakh, les Écritures, et pour entendre dire qu'il n'était pas dans le royaume de Dieu. Hein? C'est terrible, hein? Oh, Seigneur! Mais j'étais catholique! Bah oui, mais tu n'étais pas sauvé. Mais j'étais protestant, mais tu n'étais pas né de nouveau. Mais j'étais évangéliste, prédicateur, tu n'étais pas né de nouveau. Il faut être d'eau et d'esprit. Waouh! L'eau et l'esprit, c'est quoi alors, Seigneur? L'eau, bien sûr. C'est la parole qui est déversée sur nous, Ézéchiel 36. Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Non, tu ne peux pas te purifier toi-même d'abord. C'est Dieu. Vous savez, beaucoup de gens veulent se purifier. Et ils prennent des résolutions. Aujourd'hui, j'arrête la cigarette. Le lendemain, ils replongent. Hein? Vous voyez, tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est impossible. Tes yeux aiment les belles femmes. Les hommes beaux. Ça, c'est l'homme. C'est comme ça qu'on est. Tu te dis, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est l'année nouvelle, n'est-ce pas, 2014, je ne veux plus convoiter. Mais à peine que tu as fait cette déclaration, te voilà en train de regarder à gauche, à droite. Et tu te mets à pleurer. Seigneur, oui, mais parce que tu ne peux pas, la chair ne peut pas. Maintenant, il faut que l'eau, que Dieu déverse son eau sur toi. Sinon, là, tu ne peux pas être lavé de tes souillures. Rien. L'eau de la parole, vous savez, c'est quelle eau? C'est ce fleuve d'eau, hein, n'est-ce pas, que Dieu déverse sur nous et ça enlève toutes les saletés, ça part naturellement. Et ensuite, Dieu te prend, son esprit vient et tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Attention, je ne parle pas du parler en langue comme les pentecôtistes. Dieu te prend et il te greffe sur le corps de Christ. C'est lui qui le fait, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Vous savez, sur le site de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises évangéliques, vous avez un onglet, hein, devenir membre, hein, j'en parle souvent. Et on vous dit de cliquer dessus pour devenir membre. Ça va très vite, hein. Tac, un clic. Et puis vous avez un formulaire à remplir, alléluia. Qui vous a baptisé? Ou vous ne pouvez pas être membre de cette église-là si vous n'êtes pas baptisé par leur pasteur. D'accord? Et avec Dieu, frère, ce n'est pas comme ça. Ne pensez pas que ce jour-là, vous allez dire au Seigneur, eh ben, j'ai connu Kakou Souverain. Dieu dira, mais Kakou, c'est Kakou. Ici, ce n'est pas une affaire de Kakou. C'est entre toi et moi. Alléluia! N'essayez pas de convertir les gens par la force. Ça ne marchera pas. Dieu, on ne peut pas l'aider. Oh, ça fait des années que je parle à mon frère, il ne veut pas comprendre. C'est normal, parce que ça fait des années que tu lui prends la tête. Alléluia! Pierre ouvre la bouche. Il ouvre à peine la bouche que l'esprit tombe sur les gens. Et dans acte 2, Pierre ouvre la bouche parlant selon l'esprit. Quand il a fini son discours, ce sont mes amis les auditeurs qui lui ont posé la question. Homme, frère, que ferons-nous? Ce n'est pas Pierre qui a supplié les gens pour qu'ils se convertissent. Si tu t'es converti parce qu'on t'a supplié, revois ta conversion. Voilà pourquoi tu ne crains pas Dieu. On t'a forcé. S'il te plaît, viens à Jésus. Tu seras bien. Tu auras du travail. C'est faux!
D'ailleurs, les vraies conversions, c'est quand aussi les gens, de manière personnelle, hein, se tournent vers le Seigneur, sans qu'il y ait forcément un pasteur pour eux. On entend seulement la parole où Dieu lui-même se révèle aux gens. Vous savez, en Kabylie, il y a beaucoup de musulmans comme ça qui se tournent vers le Seigneur. Le Seigneur leur apparaît carrément. Oh, qui veut donner sa vie à Jésus? Oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, levez-vous, répétez. Seigneur Jésus, Seigneur. Oh, mais que Dieu soit béni. Je n'ai converti 100 aujourd'hui. Oh là là, ma couronne au ciel. C'est faux. C'est pas comme ça marche. Non. Et puis le nouveau converti en question, baptisé pourtant, revient te voir le lendemain, mais j'ai du mal à arrêter de fumer. Non. Si tu es baptisé et que tu continues à fumer, tu n'es pas converti. Ça va vous choquer aujourd'hui. Celui qui est converti, celui que Dieu a touché réellement, qui devient esprit, il ne peut même plus toucher la cigarette comme ça et fumer et être... Non, c'est pas possible. T'es là, tu fumes, t'es pas converti. Tu es peut-être membre d'une église locale, oui, il n'y a pas de problème pour ça. Mais t'es pas sauvé. Qui veut abandonner la cigarette? Levez les mains. Ok. Que ce message touche nos cœurs. Vous savez, la Bible dit quoi? Regardez bien. Tu ne tueras. Est-ce que c'est dans la Bible? Qui le croit? Dieu dit tu ne tueras point. Maintenant, sur les paquets de clopes, on a écrit quoi? Fumer, tue. Dis à ton voisin, si tu fumes, tu te tues. Donc tu es un meurtrier. Et les meurtriers n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je vais parler, peut-être que vous allez me lapider après, ce n'est pas mon problème. Comme souvent le cas. Ah, il va encore parler aujourd'hui, oh là là, tout ça. Pourtant Dieu quand même est là, quand même, Dieu est là. Et c'est ça qui me sauve. S'il n'était pas là, je n'allais pas parler comme ça. J'allais vous caresser pour rester. Comme beaucoup. Oui, ma soeur, Dieu t'a béni, pourtant c'est une impudique. Oh, Dieu sauve-nous. Est-ce que vous avez vu Jésus en train de fumer? Jésus avec une pipe. Honnêtement. Hein? Avec la clope. Honnêtement, frère. Essayez un peu de vous imaginer Jésus, le Seigneur Yeshua, en train de fumer. Chrétien. Seigneur, sauve-nous. Il y a même des pasteurs ici en France. Pendant la pause, là. Ils prêchent et prêchent. Quand ils finissent le culte, ils sortent dehors. D'autres chrétiens qui vont le rejoindre. Hein? Il y a un espace réservé aux fumeurs. Tout est permis, disent-ils, mais tout n'est pas utile. Alléluia! Seigneur, sauve-nous. Il y en a qui disent, mais il exagère quand même. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et ce jour-là, ça sera pareil. Le Seigneur dira, tu as dit qu'il exagérait. Mais c'est de quoi je parle. Et il se prend pour qui quand même? Et pourtant, tu es là. Hein? Tu n'as pas le choix. Les pharisiens étaient tout. Là où le Seigneur était, il y avait les pharisiens. Ils le combattaient, on se disait, mais pourquoi ils sont là? Tout comme ce soir, il y a des gens qui nous combattent, mais ils sont connectés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est le message du temps. Alléluia. Parce qu'ils ont besoin de Jésus. Voilà. Il y a quelque chose qui les pousse. Être des esprits. Qui veut être un esprit? Seigneur, il m'a fait beaucoup de mal. Seigneur, j'en peux plus. Le Seigneur dit, c'est bon, tu commences à mourir. Oh Seigneur, il faut naître de nouveau. Nicodème dit, mais je suis vieux. Ça va là-bas? Ok.
Oh Seigneur, sauve-nous. On va l'aider. Dieu est bon. Ok, on va prier pour elle. Prions pour elle au nom de Yeshua. Restez là, restez là. Ça va? On va prier pour elle. Dieu est grand. Merci Seigneur. Ok. Ok. Vous allez vous occuper d'elle là-bas. Là. Merci. Ça va aller. On finit l'enseignement, d'accord? Amen. Qui s'aperçoit qu'il n'est pas vraiment converti? Ok. Vous savez, Hérode aimait beaucoup écouter Jean-Baptiste. Mais pourtant, il l'avait mis en prison. Il y a beaucoup de chrétiens, ils aiment bien écouter les prédicateurs. Mais la parole ne les touchait plus. Ils sont devenus insensibles, indifférents à ce que Dieu fait, à ce que Dieu dit. Comment savoir qu'on n'est pas né de nouveau, qu'on n'est pas dans le royaume de Dieu? C'est simple. Si vous faites les choses pour montrer ou pour plaire aux autres chrétiens, aux pasteurs, vous avez un problème. Si, en fait, la religion, c'est quoi? Je définis la religion comme étant l'hypocrisie par excellence. Les religieux sont des hypocrites. Vous savez, chez les Grecs, les hypocrites, les hypocritesses étaient des acteurs, des comédiens. Ils jouaient un rôle, ils se mettaient dans la peau des personnages fictifs. Imaginaire. Et c'est pour cela que le terme, le mot hypocrisie vient de hypocrites. C'était des acteurs chez les Grecs. Les Grecs, ce sont eux qui ont donné au monde le théâtre. Et leurs acteurs, c'était des hypocrites. Ils jouaient des rôles. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui jouent des rôles, tout simplement. Ça veut dire qu'ils sont bien habillés quand ils vont dans les réunions d'église. Mais en dehors de ces réunions, ils sont mal habillés. La crainte qu'ils ont de Dieu. Mes amis, c'est pas la crainte, c'est la crainte des hommes. Parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Ils vont lire la Bible quand ils sont dans les assemblées, mais chez eux, ils ne le font pas. Je vous dis la vérité. Ils prient quand ils viennent là, ou dans les assemblées, mais chez eux, ils ne prient pas. Ils vont dire bonjour à leurs ennemis quand ils sont là. Dehors, ils ne le font pas. Ce sont des religieux. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'ils sont convaincus d'être sauvés. Donc du coup, quand la parole est prêchée, dans leur cœur, ils disent, ah, c'est pour un tel. Oh, si un tel était là, il allait vraiment être touché. Voilà les pharisiens. Ils disent, je ne suis pas comme les autres. Donc ça ne me concerne pas à cause des autres, c'est pas moi. Être chrétien, ça veut dire quoi, chrétien? Être comme Christ. Vrai ou faux? Ok, être comme Christ par rapport au pardon. Quelqu'un, je parle toujours du couple, hein, parce que Dieu veut vraiment restaurer des couples. Il n'y a pas que vous, ne pensez pas que oh, c'est moi qui suis visé. Il y a d'autres chrétiens qui nous suivent, hein. Ne pensez pas que vous êtes le seul, le nombril de la terre. Parce que souvent on dit, non, c'est moi qui... Attends, tellement qu'on est devenu incrédule, hein, parfois on dit, non, c'est moi. Pourtant, je n'avais même pas prévu de parler de ça. Frère, être chrétien, c'est comme être comme Christ. Regardez. Une femme surprise en plein flagrant délit d'adultère. On l'arrête, on a laissé partir l'homme. On l'amène vers le Seigneur. On lui demande, que doit-on faire? Et il a dit quoi? Et il faut la lapider? Il dit que celui qui n'a jamais péché. Voilà. Waouh! Tu es toujours en train de l'accuser ton mari, ta femme, ton mari, ta femme, ton mari. Quand est-ce que tu vas arrêter et dire, Seigneur, je prends sur moi et je demande pardon. Amen. Seigneur, je vais jeûner une semaine pour mon ennemi. Jésus a jeûné pour nous. Hein? 40 jours, 40 nuits pour ses ennemis. Ah oui, frère. Il était sur la croix, perdant tout son sang. Tout son sang.
Il a connu une souffrance morale terrible, physique, indescriptible. Il était en train d'agoniser sur la croix, abandonné de tous, crucifié par ses propres créatures. Et quelle va être la première parole sur les sept qu'il a libérés sur la croix? Père, pardonne-leur. Et aujourd'hui, des couples chrétiens brisés, laissez-moi vous dire, ils ne sont pas chrétiens. Hier, je croyais que c'était des chrétiens. Un chrétien qui me dit que moi, je suis en train de divorcer parce que mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé. T'es pas converti. Ça va te choquer. Dieu dit, je hais la répudiation. Je suis allé aux Antilles. J'ai vu des assemblées, des bâtiments d'église remplis de divorcés remariés. Les frères m'ont dit, mais la plupart de nos églises sont remplies de ça. C'est-à-dire, si tu prêches la croix là-bas, ces bâtiments doivent... En fait, tout le monde va partir. Parce qu'ils sont remplis, mes amis, des païens. En Afrique, les gens prient pour avoir le visa pour venir ici. Les bâtiments sont remplis de gens qui font la demande de visa. Remplis de gens qui ont peur de Satan et qui pensent que l'abri pour eux, ce sont ces bâtiments d'église. C'est pour cela qu'en Côte d'Ivoire, vous avez plus de prophètes que de pasteurs. Tout le monde est prophète. Pourquoi? Parce que ces chrétiens, dans le monde, ils avaient des gangas, des marabouts, des voyants. Ils arrivent, ils transposent tout. Ils arrivent dans le Seigneur, maintenant, ils vont chercher des prophètes. C'est pour cela même ici, là, beaucoup de chrétiens d'origine africaine, ils ont leur prophète au pays à qui ils envoient l'argent. Comme ça, eux, vous priez pour eux, pour leur donner des visions qu'ils reçoivent. Mais je sais, voilà les idolâtres. Ils n'ont rien compris. Et le jour où Christ va revenir, il va leur dire, idolâtres, restez. Oh Seigneur, c'est comment? Restez, je ne vous ai jamais connu. Ah bon? Non. Alléluia! Regardez, quelles sont nos motivations? Pourquoi sommes-nous là? Posons-nous la bonne question. Pourquoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? On n'a pas dit ses femmes. Et ils deviendront deux chairs. Une seule. Que l'homme. C'est pour cela que nos juges là, ils vont être jugés ce jour-là. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a oint, a uni. Et j'ai suivi les informations, Madame Taubira veut maintenant que les, faciliter encore le divorce enfant, le divorce. Oh, que Dieu sauve cette nation. Où va-t-on? L'heure est grave, frère. Et quel va être votre témoignage de chrétien vis-à-vis de vos enfants, papa de l'un côté, maman de l'autre? Et vous êtes chrétien, laissez-moi vous dire, vous allez dire, ils nous condamnent, ce n'est pas mon problème. Prouvez-moi dans la Bible que le pardon n'existe pas. Le pardon, surtout dans le couple, frère. Combien de fois n'avons-nous pas péché contre Dieu? Et il nous a, en tant que notre époux, il ne nous a pas répudié. Même Israël qui a rejeté Dieu, il est dit qu'à la fin de temps, Yeshua va sauver tout Israël, sa première épouse. L'épouse de Yahvé. Et nous, chrétiens, qu'est-ce qui prouve que tu es dans le royaume de Dieu? C'est le pardon. Parce que dans le monde, on peut, c'est difficile de pardonner. Pardonne nos offenses. Non, j'ai pas entendu. Pardonne nos offenses. Qui a du mal à pardonner? Le pardon implique la restitution. Tu me voles 50 euros, tu me demandes pardon. Pour que ton pardon soit, hein, ta confession soit effective,
et que le pardon te soit accordé, il faut restituer. Rendre ce que tu as volé. Je vois beaucoup de gens ici qui tombent en enfer et qui pleurent, qui crient. Je vois des mains des démons qui les attrapent, qui attrapent leurs pieds, qui les attirent vers le bas. Qui gémissent. Et c'est trop tard. Je vois des gens qui disent, Seigneur, mais j'ai chanté pour toi. J'ai prêché la parole. Seigneur dit, tu as prêché, tu as eu ma connaissance. Mais tu as méprisé les écrits. Parce qu'il a dit, je t'ai dit dans Jean 3 qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et les deux choses, parole et esprit, ces deux principes, mes amis, la parole et l'esprit, ont un rapport avec la parole. L'esprit de Dieu, mes amis, c'est lui qui a inspiré cette parole. Tu es notre dos, tu es notre dos. L'eau, la parole. Maintenant, l'esprit vient pour te donner les moyens pour pouvoir obéir à la parole parce que la chair ne veut pas s'y soumettre. On ne prêche plus sur la nouvelle naissance dans nos églises. On ne parle plus de la nouvelle naissance, le salut, la repentance, la conversion. On n'en parle pratiquement plus. On fait des adhésions. Adhérez, remplissez les bâtiments, donnez la dîme, donnez l'argent, et Dieu vous bénira, vous serez des champions. Il y a même des églises comme ICC, on s'appelle Majesté, quelle abomination. Vraiment là, cet homme est en train d'amener les gens en enfer. Je vous assure, hein, frère. Nous, nos Pedro, Castanou, Yvan, mes amis, tous ces pasteurs marchands du temple vous amènent en enfer. Continuez à vous saluer, majesté. Hein? Par majesté. Voilà. Continuez à réclamer à Dieu la bénédiction parce que vous avez payé votre impôt qu'on appelle la dîme. Parce que vous avez croire que vous pouvez être béni, n'est-ce pas, par vos œuvres. Comme sous la loi. Alors que Dieu nous a déjà bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions dans les cieux. Alors qu'on n'avait même pas encore donné de l'argent, on n'était même pas encore né, que Dieu nous a bénis. Continuez à faire votre pèlerinage en Israël là-bas. Parce que beaucoup se judaïsent aujourd'hui. Sur leur site internet, on voit le drapeau d'Israël qui flotte partout. Ils pensent qu'ils veulent se faire juif comme à l'époque de Mardoché. Ceux qui avaient peur de juifs étaient tous devenus juifs. Voilà. Allez prier sur le mur de lamentation comme vous avez l'habitude de le faire, vous les évangéliques. Vous êtes tellement idolâtres, vous avez dépassé les catholiques. Chaque année, il y a plein de voyages en Israël. Les gens sont, ils commencent même, ils ont la kippa. Hein? On m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me dire, voilà, ici au Congo, c'est grave. Il y a une assemblée avec un pasteur que j'ai connu il y a quelques années, 4 000 personnes dans son assemblée. Il invite un couple qui vient prêcher, qui vient judaïser les chrétiens. 4 000 membres. Ce couple a ordonné ce pasteur avec la kippa. Et ce couple disait que ceux qui mangent du porc iront en enfer, il fallait qu'ils se repentent. Et beaucoup de gens se sont avancés pour se repentir d'avoir mangé du porc. Et il fallait maintenant observer le Shabbat. Et beaucoup sont partis en criant, Chora avait raison, Chora, parce qu'on dénonçait ces choses, mes amis, à Kinshasa. Beaucoup sont partis. Nous sommes dans une époque de confusion. On ne parle plus de choses de base. La nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Même si tu as la connaissance. Chaque pasteur veut trouver un endroit pour enfermer les chrétiens dans sa prison. Alors que Christ vous a délivré à la croix. Et eux, ils viennent et vous disent, restez attachés ici, ne partez pas. Et ils vous narguent, ils viennent et vous disent, voilà, j'ai offert un 4x4 à ma femme pour son anniversaire. Et c'est avec quel argent? Mais c'est avec votre argent!
les dépouillés acclament. Toi. Dis à ton voisin, on aime ça. La chair aime ça. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui n'aime pas cela. Se faire dépouiller. Alléluia. Vous voulez que je continue? Surtout à la fin de l'année, à l'approche de la fin de l'année. Regardez les veillées qu'il y a dans les assemblées. Veillées prophétiques. Veillées prophétiques pour la nouvelle année. Une année de victoire. Donc ça veut dire que depuis ta naissance, tu n'as pas connu de victoire. Une année, n'est-ce pas, de guérison. Donc ça veut dire que tu as attendu 2014 pour expérimenter la guérison. Une année de feu. Donc, toutes ces années, tu n'étais pas dans le feu. Et vous allez voir maintenant les sectes. Chaque gourou envoie à toutes ces églises le feu. Et puis, il y a aussi un verset qu'on envoie à toutes les églises du monde entier. Pour toute l'année. Voilà le passage que Dieu m'a donné pour l'année. Et vous êtes fiers d'être les enfants de votre pasteur. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on vous a voilé. On vous a fermé la porte du royaume de Dieu. Et on vous a enfermé dans le royaume des hommes. Et on fait des séminaires de délivrance chaque année. Et ce sont les mêmes personnes que l'on délivre. Les mêmes personnes qui suivent ces ministères à gauche, à droite, c'est les mêmes qui avancent pour la prière. Demandez-leur maintenant quand est-ce qu'ils vont délivrer les autres. Parce qu'il faut les délivrer sur 10 ans. Et ils vous disent, mais c'est normal parce qu'il faut prendre une douche comme ça à chaque fois. Voilà. Quel évangile ça. Quand Jésus nous délivre, il nous délivre une seule fois. Et on va délivrer les autres par la suite, frères et sœurs. Alléluia! Détachez-le et laissez-le aller. Il n'a pas dit détachez-le et en plus de ce nouveau, attachez-le. On vous détache. Quand vous commencez à prendre l'envol, le pasteur revient et dit de nouveau. Membre local. Oh, tu sais, Georges, je ne t'ai pas vu dimanche dernier. Tu étais où? Ah, oh, mais tu sais, frère. Ah non, je ne suis pas frère, je suis pasteur. Donc, pasteur, tu sais, Dieu m'a envoyé prier pour un malade dans un hôpital. Mais jamais, Georges. C'est moi qui ai le don de guérison, Georges. Attention, il ne faut pas imposer les mêmes précipitations. Tu n'es pas encore pasteur, Georges. Alléluia. Frère, vous avez vu dans quelle Bible Pierre organisait des réunions de guérison? Où tout le monde, de délivrance, où les gens faisaient la queue pour recevoir une délivrance, et les mêmes personnes à chaque fois. Je dis, mais Jacques, tu n'étais pas là dimanche, il y a trois dimanches. Si, mais le démon est revenu encore, ou il n'est pas encore bien parti. Bon, on va y aller. Et puis celui qui prie pour la délivrance, à son tour aussi, va chercher la délivrance aussi. Et les gens n'ont pas honte de dire, oui, mais j'ai été moi-même délivré, et c'est sorti. Mais celui qui se fait délivrer, et qui délivre, et qui en même temps passe par la délivrance lui-même, mais on ne donne que ce que l'on a. On comprend pourquoi tout le monde là-dedans est possédé. Et quand vous parlez avec ces gens qui cherchent la délivrance à gauche, vous allez voir qu'ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont des problèmes là-haut, là, parce que c'est... Frère, quand Jésus te fait naître de nouveau, tous les démons sont chassés. Dis à ton voisin, tous les démons sont chassés. Alléluia! Le mot salut, sotéria, hein? Le mot salut signifie délivrance du péché, des démons, des liens familiaux, des liens ancestraux. Donc si on veut encore vous reconnecter à vos liens familiaux, il faut sortir de là. Cet enfant qui est né, est-ce que si sa maman maintenant dit, chérie, je veux retrouver le cordon ombilical pour te reconnecter avec, est-ce qu'il va accepter? Voilà.
Vous allez voir qu'à cet âge-là, ces enfants-là sont déjà pratiquement autonomes. Hein? Ah oui. Même quand les enfants commencent à marcher à quatre pattes, cherchez-le. Il faut courir après eux. Ça va partout. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent la liberté. Maintenant, nos pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on veut être membre du royaume de Dieu parce qu'on commence à découvrir la liberté. On marche à quatre pattes à peine, ils nous attrapent, tac, le berceau. Alléluia! À un an, le berceau toujours. Regardez l'état de nos églises, c'est des grands berceaux. Les enfants là-dedans, il y en a, ils ont 40 ans, ils ont toujours les berceaux. Et on leur donne toujours du lait, des biberons. Hein, ils ont besoin du biberon et des couches. À 50 ans, le lait. Demandez-leur, qu'est-ce que tu attends de vous? Non, mais moi, il n'y a pas de problème, je suis là. Depuis combien d'années es-tu converti? Moi? Ah, ça fait 30 ans que je suis dans mon église. Mais oui, mais ça fait combien d'années es-tu chrétien? Mais oui, ça fait 30 ans que je suis dans mon église. Mais oui, non, je ne parle pas de l'église. Ça fait combien d'années que tu as rencontré Jésus? Ben, le pasteur, je le connais, oui, ça fait 30 ans que je le connais, mon pasteur. Mais oui, mais Jésus, c'est comment? Alléluia! Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Qui se rend compte qu'il a besoin de Jésus? Regardez, pasteur, nous sommes dans l'assemblée baptiste, église baptiste Elim. Le dimanche, le pasteur vient, il a préparé son enseignement la veille. La salle est remplie pratiquement. Georges, présent. Marie, présente. Antoinette, présente. Tout le monde est là, que Dieu soit béni. Alors Dieu va nous faire du bien aujourd'hui, tout le monde est là. Et Pierre, alors Pierre n'est pas là. Mais Pierre est parti où? Ah, mais apparemment, Pierre était invité par des chrétiens de l'église pentecôtiste. Ah, pentecôtiste! Ceux qui parlent en langue! Et Pierre, le dimanche d'après, il va se faire ramasser. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée! Alléluia! Voilà les prostituées spirituelles. Ils vont manger partout. On vous prive de votre liberté. Membre du royaume de Dieu ou membre d'une église locale. C'est quoi le royaume alors, frère? Le royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, frère, a des principes. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est d'abord la justice. Celui qui est dans le royaume de Dieu, qui est né de nouveau, qui est dans le royaume, il devient intègre. L'intégrité. Où sont les hommes intègres aujourd'hui? Il y en a très peu. Je vous assure, frère, hein? J'ai vu des ministères, des pasteurs qui ont tellement peur de voir les chrétiens libres qu'ils organisent des programmes sur programmes pour les empêcher de sortir. Ils se positionnent comme les apôtres de leur ville. Je suis l'apôtre de telle ville, je suis l'apôtre de Bordeaux. Eh bien moi c'est Lyon, moi c'est Nantes, moi c'est Orléans, moi c'est Paris. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui veulent aller là-bas doivent passer par eux. Ils sont devenus des médiateurs entre vous et Dieu. De ce fait, des antichrists. Moi, c'est la porte de Belgique. Moi, c'est la porte de la Hollande. Chacun s'est attribué un territoire. Et les chrétiens qui fréquentent ces assemblées croient être membres du royaume de Dieu. Alors que le royaume de Dieu, frère, c'est quoi? Le royaume de Dieu, il n'y a pas de barrière. Dans ce royaume, quand je vois un frère français de souche, je ne veux pas m'arrêter sur sa couleur. Je me dis, il est membre du royaume de mon père, eh bien, il est mon frère. Pourquoi avons-nous des églises ethniques aujourd'hui?
c'est parce que ce sont des boutiques. Voilà. C'est aussi simple que ça. Un Français qui va dans une assemblée où le pasteur est congolais, africain, ben l'Africain a bâti son empire africain. Et bien quand le Français arrive, il se rend compte qu'il n'est pas chez lui. Et bien il s'en va. Parce qu'il ne retrouve pas les caractéristiques du royaume de Dieu. C'est-à-dire le fait, mes amis, d'appliquer la parole qui dit il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On s'étonne, mes amis, que les nations ne soient pas touchées. Il y a encore les barrières. Chrétiens sont des hommes racistes, tribalistes. Le pasteur est qui? Il est entier. Oh, ça ne m'intéresse pas. Il est qui? Il est congolais, africain. Oh, non, c'est pas. Il ne voit rien. Camerounais? Non. Belge? Non. Même il y en a qui viennent pour la délivrance. Là. Quand c'est des frères, hein, un frère africain qui vient et un frère français veut prier pour lui. Oh non, 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 non. Voilà les racistes. Un frère entier qui vient et un frère africain veut prier pour lui. Non, 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 raciste. Et on se dit chrétien, comme Christ, honnêtement. Oh Dieu, sauve-nous. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Mais seule la parole peut le produire, ce changement-là. Seule la parole. Le royaume de Dieu, frère, ce n'est pas le manger et le boire. Donc cet évangile qu'on vous a annoncé, de la prospérité financière, matérielle, venez à Jésus, vous aurez une grosse BM. C'est faux. Venez à Jésus, vous allez marcher à pied. Alléluia. Venez à Jésus, vous allez être persécuté. Vous allez vous rendre compte qu'à quel point votre tête va chauffer. Hein? Avant ta conversion, il n'y avait pas tout ça. Dès que tu te donnes à Jésus, ta tête commence à chauffer. Voilà. Tout le monde te tourne le dos. Et on va te dire, c'est le diable. Il faut faire une offrande, ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même qui est en train de briser ta chair. Viens Jésus, tu vas tout perdre. Ce n'est pas le manger et le boire. Non, ceux qui sont au chômage sont sous la malédiction. Ça, c'est ce qu'on enseigne. C'est faux. Il peut permettre à ce que tu sois au chômage pendant 3 ans. Mais il te nourrit à chaque fois. Tu cherches du travail, rien. Alors si tu n'es pas enseigné, tu vas chercher à savoir si ce n'est pas un démon ou une tante qui t'a bloqué. Mais attends, toi, enfant de Dieu, un sorcier peut-il te bloquer? Il est écrit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Dis à ton voisin, si tu es chrétien, dors en paix. Alléluia. Oh non, mais tu sais, c'est ton père, il est sorcier. Il t'a donné à boire, ne bois surtout pas. Voilà, les prédicateurs qui font peur aux chrétiens. Du coup, les chrétiens sont tétanisés. Donc du coup, à chaque fois qu'ils boivent quelque chose, il faut absolument qu'ils fassent une prière kilométrique. Seigneur, je sanctifie cette boisson. Tout ça. Oh frère, ne sais-tu pas que si tu es sanctifié, tout ce que tu touches est sanctifié? Hein? Alléluia! Ton père est sorcier, va le voir. Papa, je viens manger. Mon fils vient me provoquer chez moi. Il vient manger. Papa, je viens manger. Tu as fait quoi manger, papa? Maman, tu as fait quoi? Assieds-toi, la chérie, on va manger. Tu t'assois, tu manges. Père, dans ton cœur, Seigneur, je sanctifie ça au nom de Jésus. Et tu manges. Et lui, il va s'attendre que demain, tu meurs parce qu'il est sorcier. Demain, tu reviens encore le voir. Papa, tout va bien? Comment voulez-vous les gagner si vous avez peur, vous les chrétiens, vous tremblez comme ça là? Celui qui est né de nouveau est esprit. Qui peut tuer un esprit?
Donc dis à ton voisin, on ne peut pas te tuer. Si tu es né de nouveau. Alléluia. Frère, vous savez combien de démons viennent me chercher chez moi, m'attaquer? À chaque fois là, debout. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce que... Mais je suis un esprit. Vous comprenez? Oh Dieu! Oh ta tante sorcière, va la voir! Tu peux même lui dire, tante, je vais dormir une semaine ici. Qui était païen avant de se convertir? C'est une bonne question, hein? Donc, il y en a qui n'étaient pas païens ici. Ok. Bon. Qui, étant païen, a été tué par Satan ici? Personne. Satan vous a tué, mais on vous aurait enterré déjà depuis. Si Satan n'a pas pu vous tuer quand vous étiez païen, hein, il n'a pas pu vous tuer, et mais maintenant, vous êtes, si vous êtes chrétien, mais pourquoi vous allez trembler? Il y en a qui prennent de l'huile d'olive, ils vont oindre toute leur maison. Non, dis à ton voisin, utilise ton huile pour ta salade. Alléluia! L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Dis à ton voisin, il faut la bonne parole. Écoutez, chrétien, quand on est né de nouveau, on devient esprit et on devient indéfinissable. On ne peut plus te définir. Les sorciers viennent chez toi à minuit pour t'attaquer parce qu'ils se disent, il dort et c'est là qu'ils vont te voir en train de prier. Ils repartent, le lendemain, ils reviennent à 22h, tu pries. Ils ne comprennent pas. Parce qu'à chaque fois, comme tu es esprit, l'esprit de Dieu te dit, lève-toi et prie. Voyez, frère. Tu es là, tu t'apprêtes à manger, l'esprit vient et il te dit, ne mange pas. Lève-toi, va dans tel hôpital. Va prier pour un malade là-bas. Tu dis, mais Seigneur, je ne connais personne là-bas. Il te dit, vas-y. Pendant des années, vous avez attendu que vos pasteurs vous le demandent. Maintenant, c'est l'esprit qui vous demandera de faire les choses. Jesus. Pierre prie. Pierre voulait manger. L'esprit lui dit, il y a trois hommes qui sont là. Là. Va les voir. Hein? À partir d'aujourd'hui, là, les vrais enfants de Dieu seront dirigés par le Saint-Esprit. Parce que ce sont des esprits. Vous savez pourquoi beaucoup sont touchés par ce message? C'est parce que, en fait, ce message ne concerne que les esprits. Tous ceux qui sont de Dieu, qui sont esprits, ce message qui vient de Dieu est en train de les réveiller. C'est ça le réveil. Ce sont les esprits qui se réveillent. Jesus Christ. Et quand un esprit est réveillé, son corps ne peut que obéir. C'est si bon de glorifier Dieu. Il nous a fait sa grâce aujourd'hui. Déjà être un enfant de Dieu, c'est une grâce. Le fait qu'il soit mort pour moi à la croix, c'est une grâce. Et tout ce qu'on est aujourd'hui n'est que grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pas le moyen de la grâce. Rendons grâce à Dieu. Yeah.
Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.